Qu'il me soit permis de remercier chaleureusement les autorités administratives qui honorent de leur présence cette grande cérémonie qui est l'inauguration de la pompe villageoise. Madame le commandant, l'eau étant un bien précieux, source de vie, nous ne ferons que saluer encore une fois les œuvres de l'ONG CARE sans lesquelles la réalisation de cette super pompe aurait été impossible. En ce qui concerne les subventions, la part de l'ONG s'élève à 10 millions de francs CFA. Notons toutefois qu'elle a mis aussi en place un groupement de femmes baptisées à la Cabo 1, 2, 3, qui a participé à hauteur de 200 000 francs CFA. Avec un tel acte, nous pouvons dire qu'il ne peut y avoir de développement sans l'apport des femmes. Ici à Sokoura, nous avons des femmes dynamiques, battantes et déterminées. Nos remerciements vont également à l'endroit du responsable de la coopérative Casas, qui, sur ses propres fonds, est parvenu à dégager la somme de 200 000 francs CFA. Mesdames et messieurs, l'eau est la priorité de tous, car elle détermine la santé. Par conséquent, chers parents, nous devons prendre soin de cette belle pompe. Madame le commandant, bien des choses ont vu le jour ici à Sokoura. Cependant, d'autres infrastructures restent à pouvoir, telles que la construction du pont reliant Guétouzon-Sokoura, qui a été provisoirement réhabilité par le CEDECOP. La construction de 3 salles de classe dont la fondation a été déjà faite par les parents de Sokoura. Nous souhaitons que cet avenir prometteur nous offre l'occasion de semblables cérémonies où de nouveaux projets seront à inaugurer. Madame le commandant, nous ne serons terminés nos propos sans vous adresser nos sincères remerciements. Que Dieu vous bénisse.